présente une programmation qui est super diversifiée cette année. On compte 6 expositions, un projet d'atelier de résidence, une performance. On a même une exposition satellite à la bibliothèque publique, donc on en a vraiment pour tous les goûts. On présente de tous les médiums, peinture, sculpture, gravure, photo. Bref, c'est comme une année très emballante où on présente plein de choix à nos publics. On est super excités avec l'équipe. Tu sais, nous, quand on travaille sur les programmations, c'est 18 mois d'avance. Fait que là, ça fait déjà 18 mois que je travaille sur ces projets-là. Je suis vraiment contente de finalement les dévoiler, d'en parler, puis de voir en fait l'engouement des publics. Puis on espère que tout le monde sera au rendez-vous là, pour toute l'année, en fait, pour nos différents projets. Autour de nos expositions, il y a toujours deux ateliers qui sont offerts, créatifs, plastiques ou numériques. Donc, on en présente vraiment toute l'année et on a une semaine de résidence d'artistes. En fait, Berry Rouche-Fédal va venir ici et pendant une semaine avec des élèves de francisation de primaire et de secondaire, va réaliser des ateliers. Donc, il vient présenter un atelier, une technique, le cyanotype, qui est un vieux procédé photographique d'impression avec du bleu. Puis son travail, il est issu de l'immigration. Berry Rouche est d'origine algérienne, il habite à Montréal depuis plusieurs années. Puis sa pratique artistique tourne vraiment autour de la mémoire, de l'héritage, du souvenir. Donc, c'est vraiment avec ça qu'on veut travailler pour réaliser des œuvres de façon individuelle, mais aussi il y aura une œuvre collective qui va être réalisée avec les jeunes pendant cette semaine-là. On est une institution muséale, on a l'agrément muséal, donc c'est super important pour nous d'avoir des artistes qui s'inscrivent dans la scène muséale. Donc, ce qu'on présente ici à Drummond, c'est des artistes de pointe, en fait, de très grande qualité, qui sont collectionnés par les musées. Puis c'est important pour nous d'emmener ces œuvres-là, qu'on dit je dis le mot élite, mais c'est pas le bon mot, mais qui sont vraiment plus travaillées à notre public, pour pas qu'on soit obligé en fait d'aller à Montréal ou à Québec pour voir ce niveau d'œuvre-là, mais que c'est possible de le faire ici. L'entrée ici à DRAC, elle est gratuite en tout temps, pour les expositions, pour les performances. Les prix de nos activités sont aussi accessibles. Donc, c'est vraiment une façon de nous soutenir, de nous permettre de maintenir cette gratuité-là et cette accessibilité-là, et nous permettre aussi de présenter les expositions de haut niveau qu'on voit sur la scène muséale québécoise et canadienne chez nous, à Drummondville. Qu'on présente autant des artistes qui sont issus de la relève, donc une première exposition solo pour notamment l'artiste Michael Lepage. Mais on voulait aussi montrer des artistes plus établis et c'était aussi l'occasion pour nous de faire un partenariat avec la bibliothèque de Drummondville puis d'aller exposer dans un autre lieu que notre lieu ici à DRAC à la Maison des Arts. Donc ça nous permet d'avoir une installation in situ et de côtoyer les œuvres sans peut-être savoir même qu'on est dans une installation là. Je m'appelle Lucie Rocher, je suis photographe, artiste et je m'intéresse à la photographie mise en espace. Alors l'exposition à DRAC ici, elle fait suite à une exposition que j'ai eue au printemps à Montréal au Centre Clark qui s'intitulait « De part et d'autre ». Et cette exposition à DRAC en place et lieu est une sorte de suite ou d'écho, on va dire, un parallèle à la première que je viens de citer. Dans cette exposition à DRAC, en fait, je voulais faire écho au lieu de la création, au lieu que j'ai pu rencontrer dans mon parcours, c'est-à-dire les ateliers en résidence que j'ai fréquentés de façon plus ou moins longue, également mon propre atelier situé à Montréal, mais également les endroits où on crée l'image, où on l'imprime, donc à savoir le laboratoire photographique, le laboratoire d'impression, la chambre noire, et voilà. Donc ce sont tous ces lieux-là qui se retrouvent au sein de cette exposition, qui présentent, on va dire, des installations, de la sculpture également, et la photographie, et on va dire, sur plusieurs types de supports. Il y a du bois, il y a de l'acier, il y a du cuivre, il y a plusieurs types de matériaux pour révéler les sujets qui sont présentés aujourd'hui. Je
je suis originaire de Paris et donc je suis venue à Montréal pour faire des études de doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM et que j'ai finalisé donc en 2020. Et ça, je dirais que c'est sûr que l'aspect théorique de ma pratique est très important. J'ai fait une thèse aussi sur le chantier photographique qui m'a permis justement de développer aussi par l'écriture une façon d'exprimer ce que je faisais jusqu'à présent en images. Donc j'ai passé plusieurs années à faire ça. Et depuis, je suis enseignante en photographie comme chargée de cours à l'UQAM, donc à l'École des arts visuels et médiatiques à Montréal. J'ai eu la chance d'être invitée par la bibliothèque publique de Drummondville pour faire une installation in situ. Et j'ai choisi un espace qui est en fait une sorte de gradin et d'escalier tout autour où nous sommes en fait encerclés d'une certaine façon par des photogrammes que j'ai réalisés à partir d'un disque dur qui a été défectueux et qui a été utilisé, on va dire, comme objet pour faire ces photogrammes. Et au sein de l'exposition à Drac, j'ai souhaité faire un lien entre cette exposition à la bibliothèque. Donc il y a une œuvre qui condense tous ces photogrammes présentés et on les voit se superposer les uns aux autres comme une sorte d'agglomération très lumineuse, une sorte de circonférence très dense en lumière. Et donc elle est présentée au fond, sur le mur du fond à Drac, sous forme de diptyque. De grands carrés noirs assez imposants. C'est une façon pour moi de ralentir aussi le temps et la visibilité de l'image photographique. Donc l'idée, c'est vraiment d'inviter le public à déambuler à son rythme dans ces espaces qui sont des fois conçus avec quelques embûches. Alors, vous le verrez assez vite, il y a aussi une grande plateforme au sol qui est tout à fait empruntable et que je souhaite que le spectateur l'emprunte justement et marche dessus pour peut-être lui apporter d'autres points de vue sur les expositions et les œuvres qui sont présentées ici à Drac. Et donc, j'ai essayé de recréer des contextes dans lesquels moi-même j'ai pu passer et cette plateforme que j'évoquais tantôt en fait représente la superficie exacte de mon atelier. Donc en fait j'invite aussi le spectateur, on va dire, à être dans mon atelier d'une certaine façon et à faire face à une grande murale imprimée sur vinyle qui présente en fait un atelier que j'ai fréquenté en résidence l'été dernier à Banff. Voilà. Aujourd'hui, je me trouve avec l'Escouade du cœur. C'est un beau projet qui vient de naître. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi ça consiste? Bien, certainement. Dans un premier temps, je profiterai peut-être de l'occasion pour présenter une partie de l'équipe qui sont ici. Alors, mon nom est Serge Manceau. Il y a Jenny Charron qui est enseignante au niveau primaire au Collège Saint-Bernard, Alain Labonté, Pascal Leclerc et Nathalie Benoît. Seulement une partie parce que les autres n'étaient malheureusement pas disponibles. Toutefois, ils sont là de cœur. Alors au début, simplement pour préciser, nous sommes une équipe qui œuvrons depuis plusieurs années au niveau de la philanthropie, faire des levées de fonds pour aider les organismes. Et à un moment donné, on s'est dit pourquoi pas se réunir et augmenter le groupe pour bénéficier de plusieurs idées supplémentaires. Et l'objectif est évidemment de, oui, ramasser des fonds, mais faire connaître des organismes qui sont peut-être moins connus à Drummondville et qui ont besoin de ce levier-là financier pour être capables d'œuvrer davantage auprès de leur clientèle cible. Et quand on pense à l'équipe que nous avons, une équipe riche, j'avais pensé avec Caroline, on s'est dit, il faut vraiment inviter Alain parce qu'Alain est un levier particulier autant que tous les autres membres d'équipe. Mais on dirait qu'il y a des aptitudes qui nous aident davantage lorsque c'est le temps de faire des levées de fonds avec le réseau de contacts et ses compétences. Alors, je vous passe Alain. Pour ma part, bien, ça va faire 4 ans que je suis revenu dans la région et j'avais dit
à mon retour, que je voulais m'impliquer davantage dans ma communauté. Donc, je l'ai fait, mais je pense qu'on peut toujours en faire un peu plus. Donc, lorsque les amis ici ont eu l'idée qu'on se réunisse, qu'on s'unisse, en fait, puis qu'on ajoute des joueurs à notre gang, bien, ça m'a beaucoup séduit, moi, comme initiative. Et je pense qu'on peut être là pour... de multiples raisons, pour longtemps, parce qu'il y a beaucoup d'organismes à Drummondville qui ont leur raison d'être, qui sont nécessaires, mais par contre, des fois, qui n'ont pas le réseau pour se faire connaître ou aller chercher des sous, parce que chacun a ses besoins. Donc, nous, on va essayer, au fil des mois, des années, d'aller vers les organismes, de voir avec eux c'est quoi leurs besoins, puis de quelle façon on peut leur aider. Donc, c'est vraiment stimulant. Puis, on est une gang d'amis, qu'on est toujours en train de rire, puis on a du fun. Donc, c'est juste drôle. Donc, je vous passe mon ami Pascal. Salut, moi, c'est Pascal Leblanc, pour ça, Serge. Mais c'est pas grave, je me présente. Moi, je suis la compagnie UPS. Ça fait 30 ans que je suis là. Et si je peux contribuer de quelque manière que ce soit, c'est sûr et certain qu'avec les ans, on connaît beaucoup de clients. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aider et contribuer là-dedans. Fait que c'est sûr et certain que ça va être le fun de travailler ensemble. Puis Serge, quand il nous a approchés, on nous a reçus chez lui, puis c'était bien le fun. Fait que je passe le micro à qui? Oui, tiens, OK, parfait. Alors, Nathalie, Benoît, j'ai deux raisons. La première, c'est que je peux difficilement dire non et à Alain et à Serge Manceau. Les deux ensemble, vous comprendrez que j'avais comme pas trop le choix. Mais ma vraie raison, c'est que dans la vie, on a tous des coups durs. J'en ai eu comme les autres. Cependant, j'avais la chance d'être bien entourée. Alors, je pense que quand on est bien entouré, que la vie est bonne pour nous, c'est important de redonner. Alors, c'est vraiment de dire, tu sais, je suis dans d'autres organisations aussi, mais celle-là, elle est particulière parce que, comme le dit Alain, on est une gang, on a beaucoup de plaisir ensemble. Alors, œuvrer dans le plaisir, moi, je pense que c'est un must. Bonjour. Donc, moi, je vous dirais que dans la vie, on peut partager son temps, on peut partager son argent. On peut partager aussi ses idées. Donc, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, de partager mes idées avec tout ce beau monde-là. Donc, j'espère qu'on va pouvoir œuvrer dans la communauté avec le plus de personnes possible. Est-ce que c'est vous qui allez faire le relais avec les organisations ou les attendez des demandes des organismes? Dans un premier temps, quand on a fait une première réunion, on communique beaucoup aussi par courriel, bien entendu. Et on a échangé entre nous des coups de cœur pour certaines ressources. Et bien entendu, parmi ces coups de cœur-là, il est très important pour nous que ce soit des organismes qui n'ont peut-être pas une grande visibilité. Donc, c'est ça qu'on veut apporter comme aide aussi, comme rayonnement à ces gens-là. Bien entendu, si des gens veulent nous approcher, ça va nous faire hyper plaisir parce qu'on est convaincu qu'il y a des organismes qu'on ne connaît pas trop et que s'ils nous approchent, bien, ils vont peut-être nous séduire comme des fous, puis on va vouloir cheminer avec eux. Donc, oui, toutes les façons sont bonnes. Et ça va commencer à l'hiver, c'est bien ça? Bien, en fait, les prochaines réunions vont nous permettre de déterminer les dates et de vous annoncer nos prochaines activités et de vous annoncer aussi quel organisme cette année a été choisi au niveau du comité pour les aider financièrement. On peut peut-être déjà dire les deux organismes qu'on a ciblés? Je te laisse l'honneur de l'annoncer. Oui, OK. Bien, premièrement, le CEPS, donc qui est le Centre d'écoute et de prévention pour le suicide, ici à Drummondville. Cet organisme-là est vraiment extraordinaire. Franchement, on peut se réjouir d'avoir un organisme comme ça ici, dans notre région. Et nous, on a considéré qu'il méritait d'être encore connu par un plus grand nombre. Et aussi, bon, depuis la COVID, quand on regarde tout ce qui se passe avec la crise du logement, les sans-abri, tout ça, donc il y a un organisme qui s'appelle Ensoleil-Vent qui vient en aide à des gens qui sont en recherche d'hébergement aussi. Donc, en 2025, ça va être vraiment deux causes pour lesquelles on va
mettre notre énergie. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas autre chose en 2025. Mais on a plein d'idées dans la tête. Ça va falloir nous arrêter. Mais bon, on va commencer par commencer déjà. Donc, vous allez prendre sous votre aile peut-être 2 organismes par année environ, puis vous allez faire des activités, c'est ça? C'est sûr qu'on va faire des activités pour les organismes. Lesquels, on ne peut pas le dire déjà, parce que pour chacun des organismes, quand viendra le temps de mettre à exécution des projets, bien entendu, on veut évaluer leurs besoins. Et cela dit, peut-être qu'il y aura un souper-spectacle, peut-être qu'il y aura une lecture publique. Ça peut être différent d'un à l'autre. Mais on est ouvert avec les organismes à écouter leurs suggestions, parce qu'il faut qu'on... comme Nathalie disait tantôt, nous, on a du plaisir, mais on veut faire ça dans le plaisir avec les gens aussi. Et ces gens-là, ils ont des bénévoles qu'on veut rencontrer. Il y a tellement plein de monde actif qui travaille dans l'ombre qu'on veut les mettre dans la lumière, ça c'est sûr. L'idée pour nous, c'est d'agir en tant que comme une courroie de transmission. T'sais. Si on peut relier les gens vers les sites des organismes, je pense que ça va être ça le plus important. T'sais. Donc déjà, on est tous sur Facebook, exemple. On va se créer un Facebook, l'escouade du cœur de Drummondville. Bien entendu, les gens qui voudront avoir de l'information pourront aller là. Mais bien entendu, on va relayer vraiment vers les organismes pour qu'ils soient découverts. Bonjour, bienvenue chez Amiroquois. Moi, je suis Janelle Laplante, le président de l'entreprise. Puis dans le fond, chez Amiroquois, bien, on est producteur transformateur d'huile de tournesol biologique à haute teneur oléique. Du 26 juillet au 4 août, on offre aux gens de venir prendre des photos dans nos champs de tournesol. Ils apportent leur pique-nique, leur soulier de marche. On a aménagé des aires de pique-nique et des sentiers. Puis, on fait faire la visite de l'huilerie. Donc, on leur présente l'ensemble de nos équipements. On explique tout le procédé de fabrication, du semis à la récolte à la transformation. Puis, on fait découvrir nos produits, dans le fond, qu'on fait à partir de l'huile de tournesol. J'en suis à ma 4e année d'exploitation. Dans le fond, j'ai acquis les huiles Champy en fin 2020, début 2021. Les huiles Champy étaient situées à Upton anciennement. Pourquoi les huiles Champy? C'est M. Champigny qui avait ça, les huiles Champy. Puis c'est un concours de circonstances, dans le fond, qui fait que je me suis lancé dans la production d'huile de tournesol. Parce que je terminais un projet synthèse là, après mon école à l'ITA de Saint-Hyacinthe. Puis la démarche de ce projet-là m'a emmené à rencontrer M. Champigny. Puis moi, j'avais déjà une idée de transformation, mais dans d'autres cultures. Puis là, bien, de fil en aiguille, après quelques rencontres, M. Champigny a fini par m'offrir d'acheter son huilerie. Donc, tout ça pour dire que c'est pas moi qui ai choisi le tournesol, mais c'est le tournesol qui m'a choisi. J'aime bien venir voir les tournesols, venir prendre des belles photos. Là, on est au début de l'événement. Les fleurs ouvrent une après l'autre. Il y en a de plus en plus d'ouvertes. Puis là, dans la parcelle où on se trouve, là, il y a 120 000 tournesols, là, dans le fond. Là. Le tournesol, lui, c'est un peu comme une céréale. Là. C'est, de pratique culturelle. Là. On sème au printemps, puis on va récolter à l'automne. On va semer aux 30 pouces, 7-8 pouces sur le 1, ce qui nous donne 60 000 plants à l'hectare. Là, ici, on a comme 2 hectares. Là. Le tournesol, c'est une arme florale. Hein. C'est pas une fleur, c'est plein de petites fleurs qui vont être pollinisées par les abeilles. D'ailleurs, on a des ruches qui sont fournies par apiculture, là, non loin du champ, qui viennent nous aider là, pour la pollinisation. Puis là, au fur et à mesure que la fleur va ouvrir, l'abeille, chaque fleur va donner un grain. Puis sur ces fleurs-là, les fleurs portent les pétales. Puis en fait, nous, ce qu'on a porté à appeler les pétales, dans le fond, ce n'est pas des pétales, c'est des bractées.
c'est du pourtour vers le centre que là, les fleurs vont être pollinisées. Fait que, au fur et à mesure que les fleurs sortent, elles sont pollinisées. Puis là, dans le centre, là, ils vont ouvrir, les étamines, les pistils vont sortir, les abeilles vont les pollinisées. Ça prend des sols bien drainés. Le tournesol, ça aime ça sec et chaud. Fait que là, cette année, c'était quand même bien, là, même excellent en température. On a eu beaucoup de nuits chaudes. C'est pour ça que les tournesols sont plus tôt. D'ailleurs, dans l'ensemble des cultures, là, on entend pas mal parler que les cultures sont 2 semaines d'avance cette année. Puis après ça, bien, c'est ça, là, ça prend un sol qui est bien drainé. Fait que ce soit argileux ou sablonneux ou quoi que ce soit, ils ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients en fait de garde-manger, si je puis dire. Comme nous, là, on a semé autour du 20 mai. C'est une 60aine de jours pour la floraison. Fait que là, on est pas mal dedans. Les tournesols ont commencé à fleurir cette semaine. Puis on va calculer encore un autre 60 jours pour le mûrissement des grains. Fait qu'une fois que toutes les fleurs sont pollinisées, bien là, le tournesol, il se met en mode mûrissement, les bractées tombent. Puis après ça, plus que le mûrissement va avancer, bien là, les plants vont brunir. Puis quand on va atteindre 70-75% de brunissement dans l'ensemble du champ, on va venir tester l'humidité des grains. Puis aux alentours de 12% d'humidité, on va être prêt à récolter. On a récolté les grains au champ, on les amène au plan de séchage. On les traite là, pour obtenir le bon taux d'humidité. On les nettoie. On appelle ça la station de criblage. On nettoie tous les grains. Une fois que les grains sont tous nettoyés, bien là, ils vont être acheminés à l'intérieur pour passer à l'étape du pressage. Nous, on fait un pressage à froid, première pression à froid. À ce moment-là, bien, on va extraire l'huile dans les grains. Puis ensuite, on fonctionne aussi avec une étape de filtration naturelle, décantation naturelle qu'on appelle. Les sédiments vont se déposer tranquillement dans le fond des barils. Puis après ça, bien là, on va transférer cette huile-là pour faire une petite filtration de propreté, embouteiller, capsuler, étiqueter. Puis on est prêt à faire notre mise en marché. Okay. Il faut comprendre que l'huile tournesol, les variétés qu'on utilise maintenant, c'est des variétés à haute teneur oléique. Donc, riche en oméga 9, puis riche en gras monoinsaturés, ce qui fait que c'est une huile qui est très bonne pour le système cardiovasculaire. C'est une huile qui est de haute qualité, qui est comparable aux meilleures huiles d'olive, qui est 100% Québec, local et qui est bio. Donc, qui à la fois réduit son empreinte environnementale au niveau biologique, mais au niveau aussi du local, parce qu'au lieu de faire venir de l'huile d'olive qui traverse les océans, bien, on a accès à une huile de première qualité là, dans notre environnement, là, chez nous. De l'huile de tournesol, bien, on fait d'autres produits aussi. On a une belle gamme de produits de soins corporels qui est faite à partir de l'huile de tournesol. On a des belles vinaigrettes à l'érable aussi à base d'huile de tournesol. Maintenant aussi, l'entreprise, aussi, au point de vue environnemental, on revalorise nos sous-produits de production, donc le tourteau, le filtra, même les résidus de criblage, on les revalorise pour l'alimentation animale, mais pas que, le tourteau et le filtra, on va les revaloriser aussi maintenant pour l'alimentation humaine. Donc, on va enfariner le tourteau pour inclure une part de farine dans les pains, les pâtes, les biscuits, des choses comme ça. Puis le filtra aussi, on va l'utiliser aussi comme exfoliant organique pour mettre dans les savons. On est situé au 52 chemin Béthanie à Sainte-Christine. C'est un petit village non loin d'Actonville, entre Granby et Drummondville. Et puis, oui, de plus en plus, là, la municipalité et les citoyens adhèrent à l'événement. Là, cette année, d'ailleurs, là, la municipalité s'est faite belle. On a semé des tournesols un peu partout là, dans la municipalité. Là. Les produits sont accessibles là, dans divers commerces là, au Québec. Là, Sherbrooke, Drummond, Granby, Saint-Hyacinthe, Québec, Montréal. Je vous invite à aller visiter notre site web amiroquois.ca. Pour trouver le point de vente qui est plus proche de chez vous. Mais en plus, là, cet hiver, on a lancé notre boutique en ligne. Fait qu'il n'y a plus de problème de distance ou de boutique. Là. Vous pouvez vous procurer l'ensemble de nos produits là, en tout temps. Pour notre événement gros touristique, c'est seulement pendant la floraison des tournesols. Donc, c'est une courte période qui dure entre 10 à 14 jours, là, fin juillet, début août.
Donc, on invite les gens à nous suivre sur notre Facebook Ferme Amirocois ou sur notre site web amirocois.ca pour faire le suivi des dates officielles qu'on annonce là, d'une année à l'autre.